Je m'appelle Kim Aymon. Je suis biologiste en évaluation de stock de harengs à l'Institut Maurice Lamontagne, qui est un centre de recherche en sciences de la mer de Pêche Océan Canada. Mon travail consiste à assurer un suivi de l'état de ces stocks-là dans le Nord du Golfe. Donc, c'est de récolter des données, donc des échantillons de la pêche commerciale, entre autres, de d'autres relevés de recherche. Et aussi, on fait un relevé acoustique pour estimer un indice d'abondance du hareng dans le Nord du Golfe. Dans le Golfe Saint-Laurent, on a trois stocks. Donc, comme j'ai dit, il y a les deux de Terre-Neuve, de la côte ouest de Terre-Neuve et de la côte nord du Québec. Il y a aussi celui du sud du Golfe du Saint-Laurent. On a fait un relevé acoustique sur toute la côte ouest de Terre-Neuve, donc de Port-au-Basque au sud jusqu'à le détroit de Belle-Île au nord. On a fait tout le détroit et on a fait aussi la base côte nord du Québec jusqu'à la Tabatière à l'ouest. Le bateau cette année qu'on a utilisé s'appelle le Novus, qui est un bateau qui ressemble à un catamaran, donc qui est un bicoque, qui est un bateau très stable, qui prend bien la mer, qui est un bateau idéal pour faire les relevés acoustiques, parce qu'il faut quand même une bonne stabilité. C'est un bateau qui avait quatre membres d'équipage, plus deux scientifiques, donc moi et ma collègue. Le relevé acoustique va durer habituellement 3 et 4 semaines, tout dépendant des conditions météorologiques et s'il n'y a pas de bris, évidemment, du navire. On espère toujours que non, mais c'est des choses qui arrivent quand même souvent, je dirais. On commence le relevé à la noirceur. Donc, souvent vers 5-6 heures, lorsque le soleil se couche. Parce que le hareng est une espèce que le jour va rester plus sur le fond et la nuit va souvent être plus dans la colonne d'eau en bas, donc il est plus facile à détecter avec notre système acoustique. Donc, on va le faire de nuit. Donc, on commence, c'est ça, toujours vers 5-6 heures. On commence pour être sur notre premier transect à la noirceur et on va faire nos transects toute la nuit. Mais souvent, en début de nuit, ce qu'on fait aussi, c'est un profil CTD. Pour avoir nos données de température, de salinité et aussi de vitesse du son. Parce que le système acoustique, évidemment, c'est le son qui voyage dans la colonne d'eau. Et il faut dire à notre système acoustique quelle était la vitesse du son à l'endroit où on était pour avoir des données plus précises pour l'acoustique. On a des transects à couvrir, des transects qui sont placés perpendiculaires à la côte. Puis en tout, on avait à peu près 115 transects à couvrir du sud au nord. On va donner au capitaine le plan de la nuit. Donc, quels transects qu'on fait, comment qu'on les fait. Souvent, il faut ajuster nos transects parce que les transects, la manière qu'ils sont déterminés, c'est de manière aléatoire. Donc, à l'intérieur d'une strate, on tire aléatoirement le premier transect et les autres sont placés de manière systématique à 5000 nautiques de distance, chacun. Ce relevé-là nous permet d'estimer un indice d'abondance du hareng. Et pour arriver à ça, c'est qu'on prend nos données acoustiques qu'on récolte pendant la mission,
Et on associe ça à des échantillons qui sont récoltés aussi pendant notre relevé acoustique. On a lié un bateau de pêche qui nous suit pendant la mission et qui va capturer nos échantillons pendant la mission avec un chalut pélagique. Et ces échantillons-là vont servir à convertir nos signaux acoustiques en indices de biomasse. On va observer ce qu'on voit dans la colonne d'eau et c'est là qu'on va détecter le hareng dans notre système acoustique. Et on va pouvoir noter les positions qu'on a vues du hareng et après ça, les transmettre au pêcheur qui va récolter nos échantillons pour vraiment associer le plus possible nos signaux acoustiques à des échantillons, aux poissons qu'on voit là, pour estimer une biomasse par la suite. Donc, les échantillons, lorsque le pêcheur les capture, il doit les congeler et nous les envoyer à l'Institut Maurice Lamontagne. Ensuite, nous, on les décongèle et on doit prendre plusieurs données biologiques sur ces poissons-là. 241. 79. Moi, je rentre ça dans notre système pour pouvoir les disséquer. Puis je suis rendue à prendre les longueurs et le poids des poissons. Ensuite, on va les ouvrir pour déterminer le sexe. Fait qu'on va extraire la gonade, ce qui est l'organe reproducteur du poisson. Ça me permet de dire si c'est un mâle ou une femelle, puis d'identifier le stade de maturité du poisson. Chez le hareng, ça c'est un juvénile, c'est un stade 2 qu'on appelle, c'est une femelle qui n'a jamais frayé. Pour déterminer la femelle, on regarde la partie antérieure de la gonade, vers la tête du poisson. Puis, ça ressemble à une torpille ici. C'est plein, puis c'est pointu. Donc, c'est le mâle. Oui, ça, c'est le mâle. Juste de tout séquer les échantillons, c'est quand même assez long. Donc, vous voyez, cette année, pour le relevé qu'on a fait à l'automne, on avait un total de 18 échantillons, je crois. Là. Peut-être qu'Hélène va me corriger. Donc, c'est quand même, si c'est des échantillons de 100 poissons, c'est quand même assez long à faire. Puis, ce qui est surtout long aussi, c'est de lire les otolithes. Parce qu'après ça, oui, OK, elle a disséqué les poissons en laboratoire, mais ensuite, il faut prendre chaque otolithe de chaque poisson et de déterminer l'âge de ces poissons-là, ce qui est quand même assez long aussi. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit scalp, on retire le cerveau, puis à l'intérieur, il y a deux petites cavités qui contiennent les deux otolithes, un gauche et un droit. L'étape qu'on a faite au laboratoire, c'est qu'on a extrait les otolithes de la tête du poisson. Puis on se souvient que l'otolithe, c'est la structure osseuse qui nous permet de lire l'âge. Bien, chaque ligne un peu plus foncée est une année de croissance. Donc 1, 2, 3, 4. La cinquième est ici dans le bas. Et puis, comme la date de capture, c'est le 23 avril 2007, ce poisson-là a été pêché au mois d'avril, je dois ajouter une année, un anneau de croissance que je ne vois pas. Donc, on prend différentes mesures. On a des mesures de longueur, de largeur. On prend aussi des mesures d'angle entre les différentes composantes de l'otolithe. On fait aussi le contour de l'otolithe pour déterminer la surface et le périmètre de l'otolithe. Selon la forme que les otolithes ont, on est capable de déterminer l'origine des harengs, donc l'endroit où ils sont nés, puis l'endroit où ils ont passé leur premier stade de vie. Ici, en noir, ici, c'est les otolithes de Saint-Irénée, dans l'estuaire du Saint-Laurent, qui sont justement des otolithes qui sont un peu plus trapus, donc on voit qu'ils sont moins longs, plutôt larges, alors que les otolithes de Carleton, en rouge ici, on voit qu'ils sont plus longs, donc de forme plus allongée. Des harengs qui peuvent naître à un endroit puis aller se reproduire dans un autre endroit.
ou vivent dans d'autres endroits. Donc, avec la forme isotélite, on est capable de voir d'où vient le hareng. Mais si on le capture ailleurs, on peut voir que ce hareng-là n'origine pas du milieu où il a été capturé. Hein. Nous, dans le fond, notre rôle sur le bateau est d'enregistrer les données. D'être sûr qu'on enregistre toutes adéquatement. Et ensuite, là, on ramène ça à l'Institut Maurice-Lamontagne, où on a un technicien qui va analyser ces données-là. Le rôle du technicien, c'est vraiment d'identifier tous les signaux qu'on considère être du hareng. Et après ça, moi, mon rôle, c'est que le technicien va me remettre ces données-là de signaux acoustiques et mon rôle va être de les convertir en biomasse de hareng. Donc ça, ça se trouvait être un transect, une ligne qui a été faite le long de Terre-Neuve. Et ça se trouvait être du hareng là, qui est tout proche du fond. On voit que le fond est très fort, en rouge. Puis on voit comme des concentrations de poissons de hareng. Ça se trouvait être du hareng qui était très profond, collé au fond, comme ça. Donc on a trois appareils qui vont produire trois vagues sonores différentes. Puis on va prendre l'écho de ces trois fréquences-là. Nous, ensuite, on nettoie, on s'assure qu'il n'y a pas d'interférence, que tout est beau. Puis tout dépendant de la force du signal de retour, on peut avoir la densité des poissons qui sont là. Puis ensuite, on peut envoyer ça, par exemple, à Kim pour qu'elle puisse faire le calcul total du hareng qui se trouve à être dans la colonne d'eau. Le hareng est vraiment une espèce importante, une espèce clé dans l'écosystème. Il est la proie de nombreuses espèces, les oiseaux marins, les mammifères marins, d'autres espèces de poissons. Il y a vraiment beaucoup d'espèces qui s'en nourrissent. C'est vraiment une espèce importante de l'écosystème. Le hareng, en général, c'est vers 4 ans. On peut dire entre 2 et 4 ans qu'il va devenir mature et qu'il va pouvoir se reproduire. Le hareng, c'est une espèce qui se nourrit par filtration et c'est surtout une espèce qui va manger du zooplancton, du krill. Donc, c'est ça. C'est vraiment de ça qu'il se nourrit, là, en général. Le hareng, c'est une espèce qui peut vivre jusqu'à 15-20 ans. C'est sûr que plus un stock est exploité, moins les harengs vont vivre longtemps parce qu'ils vont être pêchés. Beaucoup pêchés pour ce qu'on appelle la bouette, les appâts. Donc, c'est les appâts pour les pêcheurs de crabes, les pêcheurs de poissons de fond, de homards. Donc, ça peut être utilisé pour ça. Mais sur la côte ouest de Terre-Neuve, il y a aussi un gros marché pour la consommation humaine. Dans certains cas, il y a une pêche plus au sud, dans les Maritimes, où il y a des petits harengs qui sont pêchés. Et c'est ce qu'on appelle les sardines, c'est ça qu'on retrouve en épicerie. Les mêmes harengs vont toujours frayer aux mêmes endroits. Mais en dehors de la période de reproduction, donc pendant les périodes d'alimentation ou d'hivernage, ils vont tous se mélanger. Et la pêche, dans le nord du Golfe, cible les stocks, ceux qui sont mélangés, donc en dehors de la période de reproduction en général. Donc, on ne sait pas quel stock qu'on pêche, en fait. On pense que c'est peut-être celui de la côte ouest de Terre-Neuve, mais il y en a peut-être de ces harengs-là qui viennent du sud, qui viennent de la côte nord, on ne le sait pas. Donc, c'est un des objectifs de notre projet de marquage acoustique, c'est de tenter de répondre à ces questions-là. On va parler de filets, hein? Ouais. Cette méthode de télémétrie acoustique, ça permet de suivre le poisson aux côtes d'immigration, donc alors qu'il est toujours vivant, et on peut le repérer comme ça dans différents endroits dans le Golfe. Et on peut déterminer, entre autres, les routes migratoires, si le poisson passe plus de temps dans une frayère ou autre, et même déterminer la mortalité ou d'autres paramètres intéressants pour la biologie de l'espèce. On débute, c'est ça, par la capture des poissons, qui a été faite en collaboration avec un pêcheur commercial, un senneur, qui est basé à Blanc-Sablon. On leur fait une incision sur l'abdomen. On insère l'émetteur dans l'abdomen. On les recoue avec des points de suture. Et après ça, on les remet dans les bassins pour les observer, voir comment ça s'est passé, tout ça. Et au bout de quelques heures, bien, on les a libérés. Dans la mer. Le récepteur, lui, enregistre sur sa mémoire l'heure, la date, l'identité de l'émetteur. Une fois la saison terminée, on récupère le récepteur. On va
Étant donné qu'on a libéré 80 émetteurs, là, je serais très, très content là, qu'on puisse en détecter prochainement là, une vingtaine. Toutes les données que j'ai, je vais émettre un avis scientifique. Donc, je dois rédiger un document qui s'appelle l'avis scientifique. Et la gestion va utiliser cet avis-là pour émettre les mesures de gestion pour l'année en cours, l'année de pêche qui s'en vient. Donc, tout dépendant de nos conclusions, ils vont devoir s'ajuster. Et si on voit qu'on pourrait augmenter les quotas, on le ferait. Mais ou l'inverse, si on voit que nos stocks vont moins bien compenser, bien, il faudrait s'ajuster aussi. Donc, c'est la gestion qui va vraiment, en bout de ligne, regarder notre avis et après ça, émettre les quotas pour l'année ou d'autres mesures de gestion qui seraient nécessaires pour assurer la pérennité des stocks. Ça fait depuis plus de 70 ans que les gens essaient de comprendre les migrations du hareng, comment départager les stocks, toute la complexité qu'il y a dans les stocks, la structure des stocks. Puis avec cette méthode, je crois qu'on va pouvoir élucider quelques éléments du hareng ou à tout le moins là, commencer à s'y attaquer avec cette approche différente un peu. Dans le nord du Golfe, lorsqu'on regarde l'ensemble de nos données, il ne semble pas avoir de risque à court terme pour ces stocks-là présentement. Même que les harengs de printemps, donc les frayeurs de printemps, qui dans les années 2000-2010 étaient quand même assez à des niveaux assez bas, sont en train de faire un retour dans les dernières années. Donc, on a vraiment observé une augmentation de leur abondance assez importante selon notre indice acoustique. Donc, ce qui est quand même des signes encourageants pour le stock. Pour les stocks plus au sud, la situation semble inquiétante. Dans le sud du Golfe, autant les frayeurs de printemps que d'automne, leur abondance a beaucoup diminué. Il y a plusieurs raisons à ça. Il semble, bon, bien sûr, il y a un réchauffement des eaux. Aussi, je pense, beaucoup de prédation par le phoque. C'est tout. Le thon aussi semble aussi être un joueur majeur dans peut-être, en tout cas, l'effet de prédation sur les harengs. Donc, ça va pas très bien. Il y a aussi beaucoup de pression de pêche. Comparativement à nos stocks plus au nord, où il n'y a jamais eu une très forte pression de pêche, donc je pense que ça a beaucoup aidé nos stocks. Et aussi, bon, l'eau probablement se réchauffe moins chaude qu'au sud. Mais c'est sûr que ça va être la situation va être à suivre dans les prochaines années là, pour voir, parce que probablement que l'eau va continuer à se réchauffer, puis ça serait de vérifier, de bien s'assurer de faire un bon suivi de nos stocks pour bien suivre la situation de près et être sûr qu'on prend les mesures nécessaires si jamais l'environnement est moins favorable à nos stocks. C'est une espèce qui a quand même une très grande importance écologique. C'est, je pense, une espèce qu'il faut bien protéger, bien, comme toutes les espèces, évidemment. C'est une espèce qui supporte quand même aussi une très grosse industrie, surtout sur la côte ouest de Terre-Neuve. Je souhaite que les stocks aient bien encore longtemps. Et c'est ça, je pense que c'est une espèce qui va toujours être très importante aussi parce qu'on en a besoin pour pêcher d'autres espèces. C'est aussi utilisé beaucoup pour la consommation humaine, donc c'est ça. Je pense que c'est une espèce qu'il va falloir vraiment s'assurer de bien la protéger dans les prochaines années.